Hello, ici PRJV13 et bienvenue aujourd'hui encore sur Amnesia. Mon bonhomme est en train de freaker du cerveau là. Ah là ça va mieux. C'est pas parce qu'il y a des trucs douteux que... Ouais. Excusez. C'est pas parce qu'il y a des trucs douteux qui a poussé partout sur le plancher que tu peux pas... Ok, c'est pas par là. Est-ce que je vois? Non! Je veux pas me faire blesser. C'est vrai, pourquoi j'appuie sur TAM? C'est comme si je checkais pour avoir une map, mais je sais que j'en ai pas. Oh. Tu vois qu'il y a du monde qui jase, mais il y a personne. Bon, la cave à vin était où déjà? Oups, il y a un truc qui bloque un peu ma souris. Voilà. Bon. On va aller voir par là. Ça, c'est... laboratoire, c'est vrai. Et ça, là, c'est... cave à vin. Oups. Voyons. J'ai la clé pour ouvrir la porte. Je l'ai, la putain de clé. Bon, merci. Et voilà. Un peu, là. Y a-t-il une lumière, quelque chose pas loin? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché ici? Non? Ok. On va descendre. D'abord, y a rien ici. Colin, excusez, ça me pique un petit peu. Ah là, j'ai rien vu. Wow. Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Il a l'air d'avoir un charmant petit plan ici. Fait que si on passe par là, on peut faire le... Non, on peut pas faire le tour, mais c'est une pièce fermée. Ok. Fait que... je vais checker cette pièce-ci avant. C'est des trucs ici depuis là. Un ennemi proche, restez hors de... C'est quoi qui parle? J'ai vu rien, moi, j'ai rien entendu. Non, mais il veut me faire freaker, lui. Bon. Personne nulle part. Un peu. Ta map là. Ici c'est une pièce, ici c'est une autre pièce. Oups. Hey, maudite habitude. J'ai tout le temps fait table pour checker où est-ce que je m'en vais. Non, y'a personne. T'as pas gagné la porte, y'a personne qui va te répondre. J'entends des pas, mais... personne. Oh, ça s'ouvre vers moi en plus. Hey, j'ai ça, j'entends marcher. Hein. Oh. Arrête de freaker un petit peu là. Ouf. Est-ce qu'il y a quelque chose en arrière des barils ici? Le. Ah.
rien du tout. Oh, c'est des morceaux de cadavres, j'avais pas trop bien... Mes yeux. What's happening? Oh, it feels like my chest is going to burst. Oh. My God, Wilhelm, do something! Except it. We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! D'après moi, il y a des trucs pas nets dans leur bouffe. Un petit cap. Et... les mettre de... Non, rien. Hein? Calme-toi le bonbon, calme-toi et respire, respire, ça va aller. Et ça c'est l'eau. Ouais, j'ai trouvé l'eau. Oh merde, un autre speech. Mon nom est William. Maison de Gerich. Excusez, je suis pas encore assez réveillé moi matin. Ce sont mes derniers mots, ma confession et mon testament. Il y a 2 ans, j'ai été appelé au château Brennenberg. Comme la plupart des aristocrates, j'étais curieux à l'idée de savoir ce que ce supposé chevalier pouvait bien vouloir pour moi. Pouvait bien vouloir de moi. J'ai donc accepté l'invitation. Le baron était très convivial et m'a fait une offre. Il s'est avéré que la nature du contrat était sordide et que la raison pour laquelle j'avais été choisi était liée à mes folies passées et non aux honneurs que j'avais pu recevoir de mon temps de soldat. Je me devais de capturer des humains en bonne santé selon son bon vouloir et ce sans poser de questions. En échange, il me recommanderait alors à la cour royale en facilitant mon avancée au sein de l'élite. J'aurais bien aimé prétendre que j'ai longuement hésité, mais il en était rien. J'ai accepté l'offre sans condition. Depuis ce jour, j'ai amené des hommes et des femmes et des enfants à Brennenburg. Je ne me souviens pas du nombre, mais il y en avait beaucoup. Peut-être même 100. On n'a plus jamais vu ni entendu parler. Ce soir, le baron m'a invité, moi et mes hommes, dans la cave à vin pour célébrer notre travail. J'ai eu des soupçons lorsque nous descendions les escaliers, mais il a insisté et nous a rejoints pour un toast. Le vin était goûteux et mes hommes l'ont bu sans vergogne. C'est à ce moment que notre châtiment a commencé. Le baron nous a enfermés avant de retourner à l'étage. Pardonnez-moi pour ce que j'ai fait, j'étais faible et je me suis laissé prendre par ces idées diaboliques. Mes hommes n'arrêtaient pas de crier, leur peau a été percée par leurs propres os. Je sens mes entrailles se révolter contre leur propre nature, celle donnée par Dieu, le sang commence à couler et mes yeux... de mes yeux, je n'en peux plus. Ça ne me pas très envie, ça. Il y a personne? Ok. Personne non plus? Ok. Personne ici? Oups. Avec tous les petits bruits, je sais jamais si c'est vraiment quelqu'un ou pas, moi. C'est gosse, hein?
Bon, on ouvre. Doucement. Merde. C'est comme s'il y avait de quoi qui nous suivait, ces gosses, hein, ça. Ça me dit de quoi, cette place-là? Oh! Un baril d'huile. Ah. Il n'y a plus d'huile dans le baril. C'est quoi, ça marche juste une fois, cette merde-là? Les mettre deux. Ouh, des instruments de torture. Ou pour de la construction. Ou pour les deux, peut-être. Et là, ici, il y a... J'ai un pari sur la gueule. Respect, respect. T'es peut-être juste un peu défiguré. Oh, un poteau dans la tronche. J'étais l'autre bord du poteau en plus. N'importe quoi. Bon, je peux pas tasser ça, je suis coincé ici. Ah oh, non, peut-être que ouais. Ah, oh, peut-être que quoi ici? Vraiment pas. Oh. Un peu. Maintenant, enfoncez le bouton gauche de la souris lorsque vous vous déplacez avec le... Pressez bouton droit gauche, je vais tout pousser. Oh. Ah, ben peut-être que ça va mieux marcher sur le... Oh! Ok! Ben, y a-t-il quelque chose ici, au moins? Non, fait que c'est vraiment là. Mais comment on bouge ça? Merde, c'est tombé carrément pour pas que je puisse bouger ça. Fais-tu bien me dire comment je suis supposé sortir de là, moi? Tire! Voyons. C'est qui me parle, merde? Je sais pas moi qu'est-ce qu'il faut faire là. Y a-t-il quelque chose que je peux déplacer qui pourrait servir? Hey, je vais pas rester pour mes sites. Combien qu'il me reste? Merde! Je vais pas gaspiller mon huile, moi. Putain. Y'a plus d'huile là-dedans. Merde! S'il y a de quoi au bas, ce serait pas chouette de tomber dessus. Et merde, je veux pas acheter quoi c'est là. Non. Voyons. Tu dois avoir de quoi que pas certain. Mais... Il
Vraiment? Occupe l'huile. Y'a pas quelque chose, rien de... Comment je suis supposé sortir de là, moi? Vraiment rien, pantoute. Je peux pas bouger ça, c'est trop coincé. C'est pas ça qui va me faire bouger mes affaires. Il y a des bruits. Mais attends, il y a un gros caillou ici. Je peux pas monter en haut. Comment ça, c'est indiqué que je peux saisir ces cailloux-là? Pas ces cailloux là, mais ces poteaux là. Ah, peut-être ceux là, ouais. Non. Un peu, toi, je peux-tu te bouger? Non, hein, t'es trop beau. C'est vrai. Faut que je sélectionne puis que je bouge. Bon. Oh. Non, bon. Ah, là, ça peut-être aller mieux. Eh oui. Eh merde. Hey, tosse-toi de là, bon. Bloqué ça. Tosse-toi. Sac ton gars. Oh, Joël. C'est compliqué de se débarrasser d'un poteau ici. Ouvrir ça un peu, non, c'est pas assez. Tosse-toi, 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 tosse-toi. Viens-t'en. Bon. Ça, c'est réglé, stop. Non, mais quand même. Wow! C'est bizarre, ça flashait, puis il se passe rien. J'aime pas ça, mais... Bon. J'ai fait ça, ça. Il y a ce coin-là, puis tout le tour là-bas. Bon, tant pis, l'escalier fini là, fait que c'est celle-là qui est un cul-de-sac aussi. Et que j'aille ça rien voir, moi. Voilà. Pourquoi à chaque fois que je pointe de quoi, il y a quelque chose qui se passe? Bon, il me reste quoi à explorer ça? La place en dessous qui fait le tour. Ok. Ok, j'ai encore pas payé d'huile, ça va aller. Ok, ça dit qu'elle était verrouillée.
Oui, ok. Eh non, mais je sais pas, on dirait quand quelqu'un marche au-dessus de ma tête, c'est en haut des marches qui est. Bon. Fait que celle-là est verrouillée, fait que je peux prendre celle-là. Vas-y, mollo, les mots de tête, ça va aller. J'aime pas, moi, cette place-là. Oh! Mais... Hey, mais c'est ce que je fais là, moi, là. Non, je suis pas là. Hey, j'ai pogné un essai de frisson, moi. Reste dans la lumière un peu. Oh. Oh. C'est dégueulasse. Oh. Phew. Mais quel est le mental? Oh, je suis sur le point de casser, man. Détends-toi. Colin, le décor, il bouge, man. Je vais ramasser un truc, puis un autre truc. Ok, non, il y a juste quelques garnottes qui sont tombées. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Doudou, doudou. Tabarouette, man. C'est tout flou. Je pense que la prochaine connerie, il va péter les plombs, le gars. Attends un peu, j'ai l'eau, la calamite, la cuprite. Ok, j'ai tout. Okay. Oh. Y a pas quelque chose pour aider à remonter sa santé mentale parce qu'il est sur le point de flancher, le gars. Hey, c'était-tu le coin où est-ce qu'il y avait la porte de verrouiller de l'autre bord? Oh. Pas tant verrouillé que ça, est-ce que je vois? C'est marqué trois petits points, tu vas tout désagréger. C'est pas super. Hein? Il n'y a rien. Là, ça me casse les oreilles. Oh, le dernier ingrédient. Ah, voilà, tu vois, ça va beaucoup mieux à cette heure. Clair comme de l'eau de ruche. C'est parfait, ça. Justement, je n'ai pas de l'eau de ruche. Bon, ben... J'ai fini ce coin-là, moi. Ouais, j'ai tout exploré. On peut remonter. Eh hey, mais c'est un gosse là, j'entends marcher partout tout le temps. Qu'est-ce que... Eh merde, qu'est-ce que... Ça pousse partout ce truc là, c'est dégueulasse. Laboratoire est là. Ouais, j'ai pas mal tout checké, je pense. Aïe, aïe. Aou, aou. Bon.
monsieur le... pas le Saint-Esprit, là, mais... le contraire, monsieur le fêlé, là. Ça va faire les hallucinations, ok? On est capable de le faire, on va le faire. La lampe bouge. Bon. J'ai-tu? Ouais, il me semble que j'avais... Ah non. T'as pas fouillé le coin, bon. Et que je me déçois, moi. Bon, ramasse-moi ça. Bon, pour les expériences, faut-tu d'autres choses? Je suppose... 4 produits chimiques différents doivent être combinés. Ok. Et de 1. Et de 2. Et de... Regarde, moi, checker ça après, ok? On dit que j'ai rien entendu. Bon. Et de 3. Et ça. Et. Ok, maintenant foncer pour le faire spinner. Bon. Voilà. 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 Et voilà. Oh shit, c'est vert. Hey, je vais pouvoir continuer. Oh. L'escalier a sacré le cas. Qu'est-ce que... Oups. Qu'est-ce que tu me dis, bon truc. L'escalier... Les escaliers se sont écroulés. Trouver un moyen de remonter. Des pièces de tissu organique bloc. Là, 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 là. Si on l'avait déjà vu. Non, mais vous avez vu ça, vous autres? Ça a tout des... Ça a tout sacré le cas. Hey, ça, c'est revenu ici? Il me semble que je l'ai déplacé. Wow. Et voilà. Et merde, veux-tu bien embarquer dessus, toi? Embarque. Ciao! Moi je me pousse. Et merde, ça pousse comme la mauvaise herbe ces trucs-là! Ah, tu sais que je traverse ça, ça me fait tuer un peu. Quelques coupures et conclusions. Ok. Mais j'ai rien pour soigner ça. Mais... Ah! Quand tu que je sors par là, moi, il y a plein de trucs qui poussent partout. Et merde, merde, merde! Au! Il y a en bas, puis il y a là-bas, il y en a aussi. Je vais aller voir là-bas. Non, mais attends, puis je vais aller voir en bas. Non, mais en bas, c'est pas une porte, fait que c'était pas une autre une zone en tant que telle. Dissous-toi, dissous-toi. La fumée orange. Oh, raffinerie. Pourquoi fait noir ici? Oh, j'ai rien dit. Elle
sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Ok. Mes yeux, tu veux me faire éclater la rétine? Y'a rien ici. Y'a des pétales encore sur le sol. Yeah. Me semble ça me dit quoi ça, cette place-là? Mais pourquoi tu me fais des trucs de même quand il y a... quand il y a rien? Ok, non. Tourou. Il y avait quoi qui a bougé là-bas? Je vais me cacher dans le trou. Y'a rien ici non plus. Eh merde. Mais pourquoi ça me fait ça à moi? Regarde, il est parti par l'homme, allez voir le bord. Allô? Is anyone there? Ouh, j'ai mis les billets dessus, moi. Ah. De l'huile pour ma lampe. Phew, là, tu vas mieux, mon grain. On se relève. Oh! Amadou! D'après moi, il se passe des trucs pas très clairs ici. Hello? Ok, on va checker le speech. 22nd of June, ah, 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Ok, ça a juste l'air d'être un gros bordel ici. Ah, c'est là où est-ce que j'étais. Ok. Ok. Bon, il y a un passage ici. Ah, puis retourne un petit peu dans la lumière, là. Ça me tente pas d'utiliser tout mon émettre. Mon Amadou.
Une orthèse médicale destinée à améliorer l'état de santé. Pour l'instant, je suis quand même correct. Mais je le prends en note. La porte est bloquée de l'autre côté. Non. Bon, il est là, puis là. Je vais juste regarder. Ah, ok. Un peu d'huile. Non, mais tant qu'à ramasser d'huile, aussi bien en profiter un peu. Non, y'a rien ici. Y'a rien là. Oh, ça met deux. On dirait que c'est pour tout le temps plein d'affaires, mais il n'y a rien autour. Ça, c'est l'arnaque, parce qu'ils vont te faire popper de quoi à un moment donné, puis tu t'y attendras plus. Non, le levier. Il y a de quoi qui bloque la manivelle. Oh. Ah là, la porte est plus bloquée. Oh! Ah! Je t'ai cassé. Dans quel bord tu tournes ça, toi? Ok. C'est ça, puis ça continue. Je vais aller checker l'autre bord avant. Un peu la lampe. Hein? Oh merde! De la méduse. Mais merde, avec toute l'alcool qui est ici, y a de quoi sous l'énorme. Arrête pas d'en avoir partout, c'est fou. Qu'est-ce que tu fais, petite chaise? Tu te caches, toi? Oh, y a de l'espace ici. Oh, ben, gros. Allô. De préférence, j'aime bien qu'on me réponde pas. Ok, maintenant... Il pleut du plafond? Of June 1839. I feel the need to continue this journal, even though it was intended for my journey to Africa. This must be something very important. I just know it. I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass. How it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Hello. Okay, c'est là que j'arrive.
Oh, mais c'est pas si mal que ça. It's cold. It's so cold. Peut-être, mais moi je me pousse. Hip. Yep. Voilà. Oh. Ah non. Espèce d'enfoiré. Blessure saigne gravement. Gravement, ouais. Mais regarde, m'en prendre les deux juste pour être sûr. Parce que mon dos, il est sur le point de faire une 5-4. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gars, va tomber comment, man? Tellement qu'il va virer fou à cause de vous autres. Je vais pas sauter là-dessus. Oh! Sous-sol! Non, mais pas trop de... J'aime pas ça, moi. Vraiment. Oh non! Non! Je suis pour un dieu! Oh merde! Oh non! Oh non, c'est la pire place! Oh! Qu'est-ce que je peux faire là? C'est comme des chiens, man. Ils sont dans le jeu là, c'est de la grosse merde! On va rien si je suis. Merde, mais je peux pas rien explorer, rendu là, moi. Il y a la vie en plus là-bas. Couché. Bon. Pas le choix. Let's go, saute, man! Saute, 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 saute! Hein? Quoi qui est dans l'eau? Ah, oh, des eaux, ok. Oh merde. Yip. Ah, oh, ça a mieux que chute, hein? Oh, merde. Merde, merde. Merde, merde, merde. Non! Barre dessus! Gros nazin, go! 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 Sauve! 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 Ouais! Hop! Sac mental! Pendant qu'il se dépose sur un morceau de cadavre. Oh merde. C'est quelque chose que la porte là-bas de l'infirmer. Un peu. Gars mon grand, tu me sacs la paix. Bon voir là-bas. Cannibale de bâton, de photo, de sapperie, pas fait. Ok, y a-tu quelque chose pour cette porte-là? Oh merde, le vidre est en avant de la porte, tu niaises. Sac-moi à part! Thank you.
Don't! Yeah, man, spin the wheel! No! Oh! Yeah, fuck! Oh, man, if I make that show, let's do it! Salope de jeu, toi. Fuck it! Bye! Fuck you, don't play! Ah non! Eh, chaque fois je saute dans l'eau, ça me fait peur. Fermez un clé avec une simple serrure. Ha! Va chier, je me pousse. Oh merde, je suis encore dans la flotte, man! Pas ça, ça? Cool, pis en tabarnak, man! Oh non, pas le... Pas chiant, man! Non, si ça arrive, vous êtes trop chiant! Prends ce bouton-là, c'est là, man! Cool. Run for your life, man! Run! J'ai eu des portes qui sont pas mal. Hop, j'ai passé à travers le plafond. Oh, regarde même pas en arrière, regarde même pas en arrière. C'était dégueulasse. Bon. Oh, il y a une fontaine. Oh, c'est joli ici. Est-ce que tu m'invites? Oh. Les jambes, la colonne assez douteuse avec une tête de bébé. Qui a pas de l'air de bonne humeur. Y'a-tu quelqu'un qui voudrait ça? Qui voudrait ça chez eux? C'est dégueulasse. Bon ben. Vu que je suis rendu dans une nouvelle zone, puis ça fait un petit bout de genre juste, m'en finir la vidéo là. C'était assez intense pour finir la vidéo en décor, donc j'espère que vous avez aimé ça et à plus.